Salut à tous, bienvenue sur Batman Fitness de la vérité. J'espère que vous allez bien. Ouais, tranquille, tranquille. Ce soir, c'est un couscous fait maison. Donc, après, je vais vous présenter le reste des choses. On va dire quoi? Bismillah. La bonne viande bien cuite. Après une bonne petite séance de triceps biceps. Verre de coca. Ouais. On mange un peu de tout. Couscous, ça fait un peu de bien, ça fait plaisir. Voilà, la première partie elle est bientôt finie. Voilà, première partie est terminée. Il y a quelques légumes que j'aime pas. Donc on va attaquer le petit plat, fraises, crème chantilly, poire, pomme, banane. Un petit plaisir. Bonne petite poire. Pomme. Voilà, un petit plaisir, faut pas se priver. T'as vu, quand t'es célibataire, t'as pas de meuf, t'es obligé de te démerder tout seul, t'es obligé de faire les choses de la vie tout seul. Pourquoi je mange à cette heure-ci? J'aurais une bad girl, comme vous dites les people. Je serais heureux. J'aurais une bad girl. Alhamdoulilah.
homme. N'y a pas de lézard, les gars. Un pas de lézard, manger. Alhamdoulilah, bouillasse. Poire. Abdullah. Bah, petite fraise. Ah. Manger proprement, c'est vrai, des fois, on peut pas se priver ce qu'on aime. Par exemple, vous mangez un kebab ou une pizza. Tu sais, tu peux pas. C'est vrai, tout le monde. Tu sais, tout le monde en a. On ne peut pas se priver des choses qu'on a envie de manger. Manger de temps en temps. Après, tout seul. Après, voilà, ça n'a rien à voir avec, la question, avec ce que je viens de dire. Après, pour les gens, je parle du couple. Vous êtes en couple. Après, essayez de prendre toujours votre temps libre, 1 heure par jour pour aller à la salle de musculation. La madame. Ça va lui faire du bien que son mari ou son copain aille à la salle de sport, ou les deux couples qui vont en salle de sport, ou le monsieur encourage la femme par la salle de sport. Ça va vous focaliser sur plein de choses et ça va vous déstresser. Au lieu de vous embrouiller.
de vous insulter. Allez à la salle de sport. Après, la salle de sport, ça va vous évacuer les soucis. Pas avec le sport, ça va vous décontracter votre couple. Si vous avez des enfants, vous allez réfléchir au lieu de d'insulter l'un et l'autre, de vous mettre des claques. Allez à la salle de sport, ça prend une heure la madame. Elle va respirer ou l'homme va respirer. Vous allez voir, vous allez mieux. Respirez votre coupe. Votre dignité du couple. Voilà. On va passer à mon truc. En ce moment, j'en mange depuis 4-5 mois. Ce sont des crêpes fraises et chantilly. Essayez dans la salle de sport. Vous allez voir, vous allez être bien. Aussi, le sport, c'est une hygiène de vie. Hein. C'est une hygiène de vie aussi. Hein. Depuis que j'ai commencé la musculation, je suis pas énervé. Contracté, je m'énerve pas,
Tu restes cool, Raoul. Alors, fromage blanc avec mon sirop d'agave. Ouais, je sais, il va dire, ouais, c'est pas normal comment je mange, c'est la mastéroïde. Faut arrêter, y a pas que la mastéroïde. Je ne prends pas ces deux merdes là. Je prends la seule mastéroïde, c'est ça, le fromage blanc. Voilà, j'attaque ma crème aux œufs frais. Like et dislike et I wanna to biceps, big arm, big biceps, big up. Vous dis à la prochaine.